Nous sommes en compagnie d'Anissé Golini. Bonjour Anissé, comment va? Bonjour grand frère Messan. On y va, on va parler donc du festival Peudoum. Eh bien sûr. Peudoum, c'est ça, hein? Comme oui, ça le Peudoum. Le Peudoum. Le peuple Doum. Ah, le peuple Doumé. Voilà. Peuple Doumé. Monsieur Zaté Emma, alias Aziz 47, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Tu es Doumé? Oui. Et tu es là pour représenter le peuple Doumé? Surtout. D'accord, de quoi s'agit-il exactement, cher frère? Bien sûr, grand frère, et à l'attention de tous les auditeurs et tous les téléspectateurs de Côte d'Ivoire et tout le monde culturel, le Peudoum est parti d'un constat. C'est un produit de Magic Prod Agencement à travers son premier responsable, M. Brico Golini, et qui a voulu donner sens à un rêve qui part d'un constat. Oumé est la deuxième ville cacaoyeur de Côte d'Ivoire et le cacao d'Oumé est le cacao le plus doux au monde. Oumé est la plus grosse mine d'or de Côte d'Ivoire. Il est et fort, le lui. Peuple Ogban qui vit à Oumé est l'un des premiers habitants de la Côte d'Ivoire. Les peuples Ogban et Gouro qui vivent à Oumé ont une histoire qui reste méconnue du monde. Alors, le Peudoum Festival qui vient comme une lucarne pour mettre en surface, j'allais dire, tout ce qu'il y a comme de beau, de bien, comme trésor à Oumé pour que le monde culturel, pour que la Côte d'Ivoire tout entière découvre. À Messan, le saviez-vous? Car Oumé, il y a des sites touristiques? Certainement non. Voilà l'occasion qui est donnée. Et donc, c'est un festival d'art, de la culture, de la gastronomie et du tourisme pour venir découvrir Oumé dans son entièreté, Oumé de fond en comble. Et pour la première édition, nous avons mis ce festival sous un thème, l'art et culture comme facteur d'union. D'accord. Alors, ils seront pour, de rendez-vous plein d'artistes. Les artistes. Doumé d'abord, avec un digne représentant qui est là. Aziz 47. Aziz, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Est-ce qu'on peut avoir un acapella pour le Peudoum? Zia Kawaleni, oh Kawaleni, Kawaleni, oh Kawaleni, Zia Kawa, 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 Ima Kawaleni, oh Kawaleni. Salma Djidjo, Zia Kawa. Mouli mouli, allez, ya, bélier. Mouli mouli, allez, ya, oh, allez, ya, assez, allez, ya, oh. Mouli mouli, allez, ya, oh, allez, ya. Oh, Brico Golini. Ah, oh. Alors, ce n'est qu'un bout. Et à ce rendez-vous, nous avons des invités de marque, des artistes comme Lusom Pado. Nous sommes dans la région de Gor. Oui. Il y a bien sûr Yabongolova, il y a Picasso, il y a des artistes Gban, des artistes Kouro et d'autres artistes qui viendront. Ça sera sur deux jours, les 13 et 14 décembre. Le 13 à 8h, les portes du stade municipal d'Oumé s'ouvriront et le spectacle va se dérouler sur deux jours non-stop. D'accord. Alors, je rappelle que c'est un festival préparé, hein, comment dire, agencé par Magic Prod. Et bien entendu, nous attendons donc toutes les populations d'Oumé, de Gagnoua, de Toumodi, hein, de Diégonéfla, toute la Côte d'Ivoire, là-bas à Oumé. Ça sera le week-end prochain, les 13 et 14 décembre prochain, au stade municipal d'Oumé, à partir de 8h. Vous aurez tout vendredi, tout samedi, et ça sera donc extraordinaire. Bien sûr. Merci. Pour nous joindre, vous pouvez composer les numéros suivants. 08 02 09 07. Je reprends 08 02 09 07 et 08 80 51 21. Merci Anissé Golini. Merci grand frère. Bon festival Peudoum.